Yo les gars, j'espère que ça va. Bon bah écoutez, ça c'est une vidéo que je vous avais déjà fait avant, mais tout à l'heure, au moment où je vous ai mis le son, eh ben l'enceinte elle était débranchée, je suis dégoûté. Mais bon, c'est pas grave, on la refait. De toute façon, c'est les aléas, j'ai envie de te dire. Donc là les gars, je vais vous faire une petite écoute sur ces deux enceintes-là parce qu'elles étaient dans le salon. Donc je me suis dit, allez, les deux elles sont dans le salon. En plus les magnates, elles sont en vente, donc je pense qu'elles vont partir d'ici quelques temps. Et je me suis dit, c'était l'occasion, pourquoi pas, de les comparer avec ces très jolies Klipsch, les Klipsch KG 5.5. Donc, c'est des enceintes qui sont assez rares. En France, je ne sais pas si on est beaucoup à les avoir. Franchement, je pense qu'on n'est pas beaucoup à les avoir. À savoir que ces Klipsch-là, elles ont été commercialisées avant la série RF7. Donc, en fait, tu regardes, elles embarquent deux haut-parleurs de 25 et une compression. Donc, j'ai pas démonté, je ne sais pas. Comment que c'est fichu à l'intérieur ou quoi, mais voilà, ces Klipsch-là, je peux vous dire qu'elles sonnent vraiment très bien. Et d'ailleurs, Klipsch me donne toujours cette impression de génie, en fait, tu vois. Parce que ils ont fait une. Tu vois, la caisse, elle est. Bon, elle fait quand même plus de 30 kilos, l'enceinte. Mais tu vois, ça sonne toujours. La caisse, elle est pas travaillée de ouf, en fait. Et le résultat sonore, il est là. Il est là, le résultat sonore. Donc, Klipsch, franchement, je leur dis chapeau. Chapeau parce qu'ils ont fait tellement de modèles différents avec, avec une ingénierie qui est fantastique. Donc voilà, c'est pour ça que tu vois ces enceintes-là, elles payent pas de mine. Elles payent pas de mine comme ça. Tu te dis ouais, ça fait vraiment basique, mais franchement, elles sonnent superbement bien. Et voilà, c'est incroyable. Donc là, tu vas voir comparé avec la Magnat, tu vas voir le son, comment il va être. Là, je vais te passer un petit morceau de rock. Et voilà. Donc celle-là par contre je les comparerai avec les RF7 MK3 que j'ai dans ma piole là-bas. Je les comparerai parce que tu regardes, c'est la même conception. Bon après le son risque d'être différent. Mais bon, en tout cas voilà, c'est vraiment, je suis trop content. T'as vu, je suis comme un gamin en fait. Pour moi c'est Noël, tu vois, j'ai des enceintes qui sont rares, que j'apprécie tout ça. Et puis en plus je vous les montre, donc je vous les présenterai un peu plus tard. Mais voilà, il faudra être patient, les gars. En attendant, je vous fais écouter le petit son tout de suite de rock et vous allez voir entre les deux les différences. Allez, c'est parti. Tac, on balance le son. Hop là. Donc là, je crois que ça va être sur les. Je vais vous dire ça tout de suite. Maniaque. Les amis, vous avez vu cette petite comment dire, brève écoute. Mais en fait, si tu vois que les clips c'est très ouvert, donc attention, ça peut être un petit peu, ça peut être un petit peu agressif sur du rock. Hein, on est sur des enceintes au rendement, mais quand tu passes sur la Maniaque, tu vois que le son est beaucoup plus fermé. Mais par contre, t'as quand même l'impact du 38 qui est là. De toute façon, c'est ce qui fait la différence. Hein, de toute façon, quand t'as un 38. T'as forcément l'impact. Après, c'est vrai que dommage que derrière ça ne suit pas assez en termes de médium aigu, mais bon, ça voilà. Après, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Donc, je vais vous faire écouter un autre morceau de musique. Là, on va partir sur je sais pas quoi. Je vais vous faire écouter autre chose.